L'enjeu est clair. Réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre pour ne pas franchir les seuils dangereux, voire irréversibles, de réchauffement et de déstabilisation du climat. Les solutions existent. Elles sont déjà mises en œuvre par des milliers d'associations, de collectivités locales, d'individus. Mieux, ces alternatives construisent une société plus agréable à vivre, plus conviviable, plus solidaire, plus juste et plus humaine. L'agriculture paysanne, la relocalisation de l'économie, l'aménagement maîtrisé du territoire et le développement des alternatives au tout routier, la sobriété énergétique, l'éco-habitat, la mise au pas de la finance, la reconversion sociale et écologique de la production, la consommation responsable, le partage du travail et des richesses, l'entraide, la réduction et le recyclage des déchets, la préservation des biens communs comme l'eau, la terre ou les forêts en montrent les chemins. La lutte contre le changement climatique n'est pas une contrainte, mais un élan formidable pour construire un avenir humain. Le droit de manifester, l'état d'urgence, l'état policier, ils nous enlèveront pas.